une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je vais lier quatre jambes sans couture. Alors, ce tuto vidéo accompagne le tuto écrit qui est publié sur mon blog. Vous trouvez le lien en dessous dans les commentaires de la vidéo. Donc, j'ai préparé deux jambes arrière qui sont un peu plus grosses que les jambes avant. Voici, donc chaque fois qu'on termine la jambe, on coupe le fil. Le premier travail va être de marquer. Les jambes vont être cousues, liées entre elles sur trois mailles à l'intérieur. Et les jambes avant, de la même façon, vont être liées au milieu sur trois mailles. Donc le premier travail, c'est de marquer, de poser les repères. Jambes arrière, on prend les jambes face à soi, c'est-à-dire que la petite patte rebique vers vous. Donc je vais commencer par la jambe qui se trouve à ma droite. Et ici, on va suivre et repérer la maille du milieu qui se trouve là. Je vais reculer de deux rangs. Une, deux. Et là, je vais pointer avec mon crochet pour faire une première marque. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Je repère la maille du milieu. Je remonte. Voilà, je considère que c'est celle-ci. Je recule de deux. Une, deux. Et je vais aller marquer. Je vais aller piquer mon crochet pour me faire un repère. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un marqueur plastique et je vais compter les mailles, les trois mailles qui vont être jointes ensemble. Donc une, je compte là où j'ai pointé le crochet, compte pour un, une, deux, trois. Je mets le marqueur dans cette maille-là. Enfin non, plutôt à l'arrière, parce que sinon je ne pourrais pas joindre. Donc 1, 2, 3, je pique dans la quatrième. Et dans l'autre jambe, je vais faire pareil. 1, 2, 3, et je vais piquer dans la quatrième. Et j'ai perdu le marqueur, je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3, je pique dans la quatrième. 1, 2 et 3, et je pique dans la quatrième. Comme ceci. Je ferme bien tout pour ne pas perdre. Je peux retirer mon crochet. Ensuite, on passe aux jambes avant. Les jambes avant, au lieu de les pointer vers soi, je vais les pointer avec les pattes face au sol et en écrasant un peu, comme ceci, je vais aller repérer en pinçant ici avec mon crochet, je vais piquer ici et en face, puisque de ce côté-là, je souhaite avoir une démarcation lisse. Comme vous pouvez le voir, ici, le devant est plat. Donc là, on est pas mal. Ce sera ici, là où j'ai pointé le crochet. Ce sera la dernière des trois jointures. Donc on va joindre ici, ici et là. Donc quand j'ai bien repéré ça, j'aurais pu pointer directement avec le marqueur plastique.
Je marque première jointure, deuxième jointure, troisième jointure. Je vais aller pointer dans la quatrième. Une, deux, trois. Voilà, je vais aller marquer. Les trois mailles. Trois mailles de jointure. Une, deux et trois. Je reprends les jambes avant. Je vais commencer ici à joindre. Ensuite, je vais faire une chaînette qui va partir comme ceci. À l'autre bout de la chaînette, je vais arriver aux jambes avant. Je vais pouvoir joindre mes trois mailles ensemble des deux côtés. Je vais revenir en arrière et on va pouvoir commencer à travailler le long de la chaînette pour faire le tour. C'est parti. Donc j'introduis mon fil. Dans l'ouvrage, et on va joindre tout simplement en maille serrée. J'emmène le fil avec moi pour le cacher à l'intérieur de l'ouvrage. Donc je vais pointer là dans la maille suivante pour joindre la deuxième, pour faire la deuxième jointure. J'arrive. Je fais la même chose en face, sur l'autre jambe. Maille serrée. Et la dernière, on fait des jointures sur trois rangs. Et en face, je vais aller je ressors à travers les deux jambes et je refais une maille serrée. À partir d'ici, on va continuer sur la chaîne. Donc on va faire une chaînette de 17 mailles. Une. Je marque le début. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 15, 16, 17. Je prends l'autre jambe. Je vais lier. Donc mes jambes arrivent comme ceci, avec la petite pointe qui regarde mon côté gauche. Donc je vais arriver par derrière pour avoir aussi les jambes de devant qui pointent vers la gauche. Donc le marqueur blanc qui est le plus près de moi, je peux l'enlever. Et ici, je vais venir lier mes jambes. Donc je recule à partir du marqueur. Une, deux, trois, je pique dans la troisième maille. Je fais la même chose de l'autre côté. Une, deux, trois. Je vais aller piquer dans cette maille ici.
Je vais ressortir. Et je vais faire une maille serrée. Encore une fois. Et la dernière. Comme ceci. Ensuite, je vais retourner l'ouvrage pour avoir les pattes avant sur ma droite. Je regarde bien le sens de ma chaînette. Je fais attention qu'elle n'est pas trop tournée. Je vais travailler la chaînette par le côté qui est devant moi pour arriver ici et entamer le travail sur la jambe qui me regarde, qui est située vers moi. Donc pour ceci, je vais revenir à la base de la chaînette en maille serrée, peu importe, on peut faire aussi des mailles coulées, c'est juste pour pouvoir revenir à la base de ma chaînette. Alors si on est un petit peu perdu, parce que c'est quand même un peu délicat, il ne faut pas hésiter à recompter. Donc je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ma chaînette commence bien ici. Je repère le début et je vais commencer à revenir le long de la chaînette. Première maille que je vais marquer. Comme ceci. Deux. Quatre, cinq. C'est un petit peu difficile parce que j'ai bien serré la chaînette. Six, sept, huit, neuf. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et 17 dans le marqueur qu'on va l'enlever. Et je vais le remettre
Je vais marquer systématiquement le début et la fin de la chaînette. Et ici, donc, on va attaquer la jambe. Donc là, ici, j'ai la maille de la couture. On était ici. J'ai le joint 1, 2, 3. Donc je vais passer directement ici. Et là, je vais faire une diminution. Pour entamer cette jambe. Le début de la jambe, je vais la marquer. Dans ce modèle, pour faire ce petit chien, c'est important de bien, bien, bien compter les mailles. Alors là, j'en suis à 2. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, ça je peux l'enlever, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30. Alors ici, on est presque arrivé à la fin. J'ai joint ces trois mailles-là. On arrive donc aux deux dernières mailles. Et de façon symétrique, je me suis trompée. Sur les deux dernières, on fait une diminution. Et là, j'arrive à la chaînette. Donc c'est pareil, ici, à ce stade-là, c'est pas toujours, ça peut paraître pas toujours très clair. Donc ce qu'il faut faire, c'est recompter. Donc je vais recompter à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc mon début est bien là, tout collé, ici. Et je vais commencer. Et là, je travaille de l'autre côté de la chaînette. Début de chaînette, je vais marquer mon rang. Et je dois avoir 17 mailles sur ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Et ici, je vais pouvoir entamer le tour des jambes avant. Donc en faisant attention, parce que l'ouvrage tourne. Donc par exemple là, j'étais arrivée comme ceci. Je fais bien attention d'être dans le bon sens, c'est-à-dire que je dois avoir les pattes qui regardent vers la gauche. Et on va commencer par travailler, joindre les pattes avant. Donc la première maille des pattes avant, on en avait joint 3. 1, 2, 3. Donc j'arrive ici. Et comme pour les pattes arrière, je vais commencer par une diminution. Je vais marquer le début des pattes avant. Et on va faire le tour. Là, j'ai le marqueur qui me marque le début, enfin le devant de tout à l'heure, que je vais pouvoir enlever. Là, on est bien sur le devant du petit animal. Donc, j'enlève le marqueur. Ici, je l'enlève aussi, j'en ai plus besoin. J'emmène le fil de finition avec moi pour le cacher dans l'ouvrage. Hop. Et je continue à tourner. Comme ceci. Et là, je suis arrivée sur la fin et de façon symétrique, j'ai encore oublié, on fait une diminution sur les deux dernières maille. Donc ma jointure, elle est faite ici, ici, ici. Les deux dernières mailles sont ici. Donc là, je vais faire une diminution dans les deux dernières mailles de la jambe avant. Voilà. Comme ceci. Et je retombe sur la chaîne. Donc l'animal se trouve au fur et à mesure du tuto. Ça, c'est la partie la plus difficile. Ensuite, il suffit de suivre le tuto. Le corps va monter évidemment en verticale et on va continuer à tourner. Le tuto commence toujours un côté, patte arrière, autre côté, devant, et ainsi de suite. Et on va tourner comme ceci, jusqu'à arriver à la tête. Et la tête, pareil, de la même façon, va monter tout au long de l'ouvrage. Quatre pattes sans couture. Donc ça, c'est mon prototype, le petit chien jaune.
Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. J'espère que ce tuto vous a plu. Un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt.